Darius. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de la mer en très bonne compagnie. Salut tout le monde. Parce que Chat et Constantin, Lucas et Erwan, qui ont chacun leur chaîne YouTube de pêche principalement. Et aujourd'hui les gars, on va faire de la pêche, mais de la pêche à pied. Exactement. C'est ça. Là on est sur un spot magnifique, on a la mer juste derrière, la mer est en train de descendre. Alors on est sur des petites marées aujourd'hui. Ouais, on va quand même se débrouiller, mais on a des spots sympas. On a des beaux rochers à lever, des failles, des tombants, des mares. Et en ce moment, sur la côte bretonne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis déjà 2-3 ans, il y a une invasion de poulpes. Donc vu qu'on est sur les petites marées, on a quand même moyen de s'en sortir et d'attraper un poulpe. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on attrape un poulpe, Marius? Eh ben on va le manger, hein, parce que le poulpe c'est vachement bon. Bon, faut bien le préparer. Donc si vous ne le savez pas, la pêche à pied en fait, c'est la pêche à pied, logique. Mais on va parcourir le bord de la mer, soulever les cailloux pour rechercher des crabes, des crustacés, des poulpes, voilà, un peu tout et n'importe quoi. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à vous faire découvrir, c'est ça un univers qui est très sympa. Ouais. C'est ça. Donc voilà à peu près le programme de cette vidéo. Si on arrive à attraper un poulpe, on ira le manger. Mais en tout cas, on va être dehors, il fait beau, et on va bien profiter de cette belle journée, de cette petite basse mer. Ça va être bien sympa, donc c'est parti. Bon voilà, on va arriver sur les premiers spots. On a des cailloux à lever, mais il y a aussi des grandes mares. Et les poulpes, on va pas forcément les voir dans les grandes mares, parce qu'il peut y avoir des failles cachées, etc. Et Lucas est avec une technique particulière aujourd'hui. Voilà, donc on avait remarqué les jours précédents, des fois, pour s'amuser, on dandinait des growlers dans des mares, et puis ça faisait sortir les poulpes, parce que des fois on les voit pas, ils sont dans les failles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit leurre comme celui-ci, et puis on va juste le poser dans la flaque, faire quelques petites animations, voilà. Et on va voir sortir les poulpes. Voilà, c'est ça, c'est impressionnant. Il y a de fortes chances que ça se produise en tout cas. Donc on va vérifier ça. Voilà, une technique assez inédite, on va voir si ça fonctionne. Le but, c'est de faire sortir de nulle part le poulpe. Une fois qu'on le voit, on se précipite et on l'attrape. Ou alors même de la gripper avec les tripes, c'est aussi possible. Et c'est parti, hein. C'est parti. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, Lucas? Là, tu vois, là c'est intéressant parce qu'il y a nettement plus de fond et on sait pas ce qui se cache. Là, à tout moment, la faille, elle peut très bien aller 50 cm sous le rocher et on peut pas le savoir. En plus, il y a des petites dalles. Donc là, nous, on a juste à dandiner le leurre comme ça. Et en plus, il y a des petits rattles dans la queue du leurre, donc à tout moment, le poulpe, s'il y en arrive, il sort, quoi. Faut juste attendre un petit peu. On va aller voir, il y a des belles pierres un peu plus loin là. Oh, le taille du gobie qui est parti. Bon là, ce qui est très important, c'est de repositionner la pierre là où elle était. Parce qu'il y a un écosystème sous chaque pierre. Si on la laisse de l'autre sens, ça peut tuer tous ces animaux là. Ben, attendez, il y a une pierre magnifique là. Regardez celle-là un peu là. Ah, c'est vrai. Ah, petite étoile de mer. Elle était sous le rocher. Ouais. Tac, on repositionne bien la pierre. Alors Constantin a repéré un poulpe. J'ai levé une énorme pierre, j'ai eu du mal à soulever. Et il y avait un poulpe dessous. Voilà. Je l'ai. Il est gros. Oh, il est gros. Oh, il était vachement bien caché. Ah. Allez, vas-y, attrape-le. La voilà. Oui, attrape-le. Sans le chercher. C'est bon. Ah, bien joué Constantin, premier poulpe. Ouais. Voilà. Ah, bien joué. La bestiole. Ouais. Voilà, alors là on reconnaît un breton. Là il se met en boule là. Il met ses tentacules autour de sa tête pour se protéger justement des prédateurs. Là c'est ce qu'il est en train de faire. Et j'ai eu un peu peur parce qu'il s'est enroulé autour de ma main. Parce qu'en fait juste ici, ils ont le bec. C'est... Ça mord ça. En fait c'est un bec, c'est plusieurs dents qui viennent faire ça où ils viennent écraser tout ce qu'ils mangent. Et ouais, il peut s'enrouler autour de ma main et me blesser avec le bec, donc j'ai fait attention. Mais là, ouais, on a un gros poulpe, là. Eh bien, regardez les ventouses, un peu. Eh oui, ça a... Regardez les pierres, comment elles sont accrochées. C'est des vraies ventouses. Voilà, donc premier poulpe, franchement, là, on a... Je vais essayer de vous le montrer. Regardez comme il est gros. Un gros poulpe. Oui. Ouais, là, on est sur un beau... On est sur un gros poulpe, là. Bon, on va le mettre au filet, puis on va voir si on peut en faire deux. Parce qu'il va se taper sinon. Ouais, on peut le tuer. Tu veux un couteau ? Alors la façon de tuer un poulpe, hein, c'est un coup de couteau dans la tête. On va le tuer, on va le mettre dans le filet, puis on va continuer. Voilà. Et hop, dans le sac. Hop. Premier poulpe. Là, on a déjà un poulpe, ouais, il est énorme. Il est balèze, hein. Il est costaud celui-là. Ouais. Tu l'as bien repéré, franchement, bien joué. Bon, allez, on va soulever celle-là, Marius. Oh, il y a un poulpe là. Là. Ah oui, il est en train de partir. Là, il y a un poulpe qui vient de sortir du rocher. Il vient de sortir du rocher, le poulpe. Vas-y, attrape-le, Marius. Ah. Attrape-le. Tu serres fort la tête. Entre les deux yeux. C'est un petit poulpe. Ouais, mais on va le prendre quand même. Hein. Hop là.
Premier poulpe pour moi. C'est un tout petit, hein. Et sans déconner, on est à 1 mètre du précédent. Donc pour vous dire la densité qu'il y a. Regardez, il est en train de s'agripper autour de moi, saloperie. Vas-y. Bah là, c'est bon, tu peux l'attraper, hein. Alors c'est ça, les ventouses, voilà. C'est vraiment une sensation bizarre, hein. Bah c'est une ventouse à proprement parler. Mais quand il se met autour de votre bras, là encore, c'est un petit. Regardez, ça c'est une grosse pierre. La pierre, hop là, reste accrochée, hein, c'est sans problème. C'est impressionnant. Voilà. Et bah direction le sac, c'est notre deuxième, on n'a rien de temps. Là en fait, depuis 2 ans, les poulpes, il y a une explosion de la population. Ouais. Et ils font d'énormes dégâts sur tous les coquillages, sur les crustacés. Ici, je fais de la chasse sous-marine. Il y a toujours eu une densité très importante de homards, d'ormeaux, etc. Et depuis, c'est vide dans les trois homards. Les coquilles d'ormeaux, c'est des cimetières de coquilles sur le fond. Donc on fait notre petite pierre à l'édifice contre l'envahisseur. Comme notre pêche à l'écrevisse un peu. C'est ça, comme l'écrevisse, c'est pareil. Mais bon, on va pas les jeter parce que ça c'est super bon. Ça se prépare d'une manière assez particulière. On va essayer, j'en ai jamais préparé, mais bon. Oh, on verra bien. Hein. Vous faites faire quelque chose de sympa. Ouais. Bon allez, dans le sac. On va lever les prochaines pierres. Ce qui est vraiment super avec cette pêche, c'est que bah on peut faire ça avec n'importe qui, on peut faire ça en famille. C'est hyper ludique de soulever les pierres. Faire ça avec des enfants, c'est vraiment extra. Et en plus, ça permet de récolter un peu de beaux produits de la mer. Les poulpes, c'est très 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 bon à manger. On peut récolter des crustacés, des coquillages, faire plein de choses. Donc c'est vraiment extra. Bon voilà, on a une super pierre. Vas-y Marius. Alors là, une belle grosse pierre. Attends, je vais t'aider. On va faire ça à deux parce que là il y a peut-être avoir un poulpe là-dessous. C'est de là qu'il est venu le poulpe. Ouais, c'est de là qu'il est venu le poulpe. Donc c'était peut-être son caillou, tu vois. Ouais, et bah il est parti. Bah en même temps, ça se voit. Hein. Il y avait de la place là, ouais, il était pas mal. Hein. Il était pas mal. Bien sûr, les cailloux, on les remet toujours à leur place. Voilà. Comme ça. Tiens, regarde celui-là. Hop, regarde le bouquet. Attends, je vais essayer de l'attraper. Vas-y. Pour attraper un bouquet à la main, c'est pas facile. Ah, le mec il a le coup. Voilà. Regardez, je l'ai attrapé à la main délicatement. Alors ça c'est un bouquet. Un bouquet? Ouais, ça s'appelle un bouquet. En gros c'est une grosse crevette. On peut voir là les pattes oranges. Ouais. Voilà. Ça peut être beaucoup plus gros, ça peut faire la taille de ma main. Bon voilà, c'est un petit bouquet. Hein. D'accord. Oh, hop là, voilà, il est parti. Juste là. Il a réussi à l'attraper parce que ça c'est des animaux hyper vifs. En fait, il faut y aller tout doucement, tu mets le creux de ta main comme ça, et tu remontes doucement et t'évacues l'eau. Okay. Et ça s'attrape tout seul. Quoi. Il a le coup le breton quand même. Hein. Voilà, Constantin a repéré un troisième poulpe dans cette petite faille ici, sous les cailloux. Il est sous la petite pierre, il est là. Ah oui, chope-le, hop, c'est un petit. C'est un petit, mais regardez, il est sur sa pierre. Alors qu'est-ce que c'est ça? Des étoiles de mer. Après, je ne saurais pas te donner l'espèce exacte, pareil, hein. Ça accroche. Ça accroche bien. Hein. On va les remettre sous le rocher. Hop là. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on va pas bien les voir. C'est des limaces de mer. Il y a des, limaces. Voilà. Et ça joue de violet pour se défendre. Ça fait du colorant violet. Là, on voit là les petites tentacules. C'est impressionnant. Là, faut que je me rince vite les mains. Voilà. Encore des petits animaux de la mer. Voilà, ils sont magnifiques. Ça. Regardez ce que je viens d'attraper. C'est un petit gobie. C'est un poisson qui vit beaucoup dans les rochers, donc on en trouve vraiment beaucoup dans toutes les petites flaques comme ça qu'on trouve à basse mer. Celui-ci était un peu bloqué dans une toute petite flaque, voilà pourquoi j'ai réussi à l'attraper. Ils peuvent devenir beaucoup plus gros que ça, mais il y a plusieurs espèces. Donc c'est une espèce qu'on voit régulièrement dans les petites flaques, quand on voit des petits poissons, généralement c'est ça. Bon, je vais les remettre dans sa flaque un peu plus derrière, ce sera mieux. Hop, et voilà. Voilà, c'est reparti. Et là les gars nous appellent, à mon avis il y a une grosse prise là-bas. Eh ben on va aller voir ça. Oh, il y a un poule, il y a un poule. Là, ici. Ah bah voilà, allez Lucas. Allez, ah, il est pas mal hein. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Allez, chope-le! Attends, je vais t'aider. Il est sous la pierre. Oh. Ouais, beau poulpe! Bien joué, Lucas! Alors, ça, Lucas. Oh, il est beau! Il est beau, poulpe! Il est mignon, hein. On a bien fait de la lever à deux, hein. Ouais, entre les deux yeux. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon, regarde, il est blanc. Ouais. Là, comment il change de couleur, hein? Ouais, là il est en train de mourir là, c'est bon. Eh ben écoute, c'est notre quatrième poulpe. Sans déconner, on a fait 100 mètres de côte hein. Et on soulève les plus belles pierres. Et c'est régulièrement qu'il y a des poulpes pour vous donner un ordre d'idée de la concentration qu'il y a. Imaginez dans l'eau ce qu'il y a, vraiment, c'est impressionnant. Il y a 2-3 ans, il n'y avait pas ça. Hein. Et là on est vraiment toujours dans des petites criques qui ont été en eau pendant toute la basse mer, où ils ont pu se réfugier et attendre le montant de mer. En fait les spots vraiment ciblés là, sous cette pierre là, bah il y avait de l'eau, il y avait un creux. Et bon bah ils se mettent là où il y a de l'eau quoi. Les pierres qui sont à sec, ils aiment pas, il faut qu'il y ait de l'eau un petit peu. On voit qu'il a fait ça pendant toute sa jeunesse, parce qu'il est à l'aise dans les rochers, il sait comment reconnaître les spots. Pêcher le poulpe, non, mais lever des rochers, ça je fais ça depuis longtemps. En tout cas, c'est vraiment sympa comme pêche, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Même en vacances, entre amis, en famille, c'est vraiment super. Voilà, on va mettre en place la technique du leurre. Donc là, c'est des endroits où il n'y a pas forcément de pierres, mais les poulpes peuvent être cachées dans des failles. Donc on a juste à dandiner le leurre comme ça dans la flaque.
Et en fait, s'il y a un poulpe, souvent il se met en chasse et puis il vient attraper le leurre avec ses tentacules. Y'en a un ? Y'a un poulpe ! Là, regarde ! Ouais, il attaque ! Il attaque ! Ouais. Lâche. Vas-y, vas-y ! Tire ! Tire ! Non, non, pas plus fort ! Non. Il s'est décroché ! Il s'est décroché ! Il fallait que j'aille avec les mains ! Il a chopé mon corps ! Il a chopé le leurre. Je vais essayer d'y aller à la main du coup. Hein. C'est une pierre ça ? Il est là. Elle se soulève la pierre ou quoi ? Là. Ouais. Il a mon corps en plus ! Yes ! Ah. Oh oui ! Il a ton leurre ! Oui ! Tiens, regarde ! Excellent. Il a le leurre de Lucas ! J'espère qu'il a pas fait des trous dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais Lucas là ? Là j'essaie de faire sortir nos amis les poulpes, parce que des fois même si on les voit pas, et ben, ils sortent des failles comme ça et puis ils viennent attaquer le leurre. Ouais. Ils le chopent. Et puis même si j'arrive pas à le sortir avec la canne, au moins ça fait qu'on le repère. Ça permet de faire un repérage, voilà. Même de le faire sortir un peu de son trou, et moi je peux être réactif et le prendre à la main. Parce que quand ils sont logés au fond de leur crevasse, c'est impossible. Ah oui. Eh ben c'est bien, un travail d'équipe. Voilà, exactement. C'est marrant comme bestiole. Ouais, alors là j'en ai un deuxième. Je vais remettre la pierre. Ah voilà. On dirait des algues, parce que c'est bien des poissons quoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment ça s'appelle. Ouais, c'est un peu une tête d'hippocampe, mais ouais. Très longiligne. Non, c'est pas un con. Pas du tout. Ah, c'est marbré, les coloris. C'est... Et ça a des petites moustaches. Alors dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est comme poisson. Ouais, on va la remettre sous ces rochers. Hop là. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Oh, il est énorme. Il est énorme. Et il y avait un beau poulpe là. Vas-y, attrape-le au-dessus de la tête. Allez, attrape par la tête là et tu nous le sors. Ah oh ouais, il est gros. Les entouses. Ah. C'est bon, il est mis en boule là. Attrape-le par la pierre là. Montre-nous ça. Oh, il est gros j'ai celui-là. Une belle pierre. Et un beau poulpe se cachait en dessous. Regardez ça, celui-là il est vraiment gros. Ah, c'est ça fait vraiment bizarre les ventouses. Hein. C'est notre deuxième plus gros celui-là. Ah ouais, il est beau. Il était juste là, juste allongé là sur le sable, couleur sable, il était bien camouflé. Je suis content, c'est mon premier poulpe. Et ton leurre ? Tiens, regarde, paf, il l'a attrapé. Attends, j'arrive. Attends, laisse-le prendre, vas-y, sors-le. Il m'a encore volé le corps. Allez, attrape-le, allez, attrape-le. Je laisse attraper mes mains. Ah ouais. Bon là il va falloir aller chercher. Hein. On va l'attraper. Ah mais la pierre elle est lourde là. Hein. On y va à deux. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Putain, il se barre derrière toi là, il se barre. Attrape-le, vite. C'est bon, je l'ai. Oui, mais il est beau en plus. Oui. Yes. Ah mon bec. Ah non. Il va te bouffer la main. Saloperie. Poulpe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il lève une pierre comme ça. Il lève des pierres comme ça. Il y a des poulpes en dessous. Regarde ça. C'est un petit, mais. Attrape-le. Hein. Regarde ça. Ouais. Super. Là. Bien joué, un poulpe, Marius. Un petit poulpe encore. Ouais, voilà, on a passé une heure et demie à prospecter le bord de mer. On a attrapé au moins une douzaine de poulpes. Là, il y en a, là. Là, voilà, le sac, il est complètement rempli de poulpes. Il y a quel poids, là, à peu près, Erwan, ton avis ? Ah, il y a bien 6 kilos, je pense, facile. Ouais, 6-7 kilos, ouais. C'est impressionnant. On a fait quoi ? On a fait 400 mètres de côte, à peine, hein. J'ai été vraiment étonné, tu vois, Dave. J'en vois beaucoup en plongée. Ouais. Là, on était sur une petite marée, je me suis dit, allez, si on en fait 2-3, c'est une super pêche. Bah, comme toute quoi. Petite marée, en plus. Toute petite marée, ouais, et là. Là par exemple, t'as levé un caillou. Il y en avait. Tout petit caillou, boum, il y en avait un en dessous. Quoi. C'est vraiment ouais. Envahi, mais bon. C'est infesté, hein. Vraiment, je pensais pas que c'était à ce point. En tout cas, c'est une pêche qui est très très ludique, hein. C'est vraiment super sympa. Ouais. À faire en famille, entre copains, c'est le top. Oh, c'est bien amusé. Bah, hein. C'est clair, en vrai. Quand tu t'es fait prendre le bras par ah, ouais. Et ça fait un peu flipper quand ils vous chopent le bras comme ça à essayer de vous mordre. Enfin, maintenant, ça c'est la première étape. Maintenant, on va essayer de les cuisiner. J'en ai jamais cuisiné, perso. Je sais que c'est une technique un peu particulière. On va bien voir, on va essayer. Et puis, bah, au moins, ce sera un peu ludique. Et si on arrive à cuisiner ça correctement, ça risque d'être très très bon. Donc, c'est parti. Rendez-vous ensuite en cuisine. Bon, nous revoilà. Au soleil sur la terrasse pour préparer deux beaux poulpes, les plus gros. Ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Il fait quel poids celui-là, 1,3 kg? Celui-ci je l'ai pesé, ouais, 1,3 kg, 1,4 kg à peu près, ouais. Ouais. C'est vraiment des beaux spécimens. Donc là, alors le poulpe, hein, c'est assez complexe à préparer. D'abord, il va falloir le vider, donc enlever tous les organes qui sont à l'intérieur de la tête, et ensuite enlever la peau. Et après, il y a plusieurs techniques pour le raffermir. Il faut enlever le bec aussi. Il faut enlever le bec, hein, ouais. Ouais, bien sûr. Pour le raffermir et l'attendrir, il y a deux techniques. Soit on le frappe avec un rouleau à pâtisserie, tout ce que vous voulez. Ou soit sinon on les met au congélateur, et nous on va les mettre au congélateur, ce sera plus simple. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire, là, le vider, le dépouiller, enlever la peau, et puis après ça ira quoi. Là faut couper juste au-dessus des yeux, juste là, hop là, voilà, donc là on a la tête ici. Ensuite, donc là il y a les yeux, qu'on va couper en dessous des yeux, juste là, toc.
Alors là, on va retourner le poulpe sur lui-même pour enlever les intestins en fait. Bon, voilà, la tête, je l'ai vidée. Alors faut bien tirer fort pour enlever tous les intestins. Et là ensuite, bah hop, on la retourne. Et cette fois-ci, on va faire pareil, mais pour la peau. Alors la peau, c'est pareil, hein, c'est très costaud. Faut tirer au fur et à mesure pour retirer la chair de la peau, mais c'est pas facile. Hein. Je vais prendre un vieux torchon pour agripper. On attrape la peau comme ça, met ses doigts, et hop, et on tire. Hop là, voilà. Et regardez la peau, elle vient. Hop là, voilà. Ça après, on pourra le couper en petits morceaux, on va le faire cuire entièrement, ce sera pas mal. Et donc maintenant, même étape que pour la tête, on va enlever la peau, mais cette fois-ci des tentacules. Donc c'est pareil, on agrippe bien avec le torchon, comme ça. Et là on tire, et on vient tirer. Faut y aller doucement, parce que la peau est quand même sacrément bien attachée au reste du corps. Et on fait ça tout tour, au fur et à mesure. Et on voit bien la chair, elle est bien blanche ici. Ça prend un peu de temps, c'est un peu fastidieux, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et ben voilà, j'ai pelé notre beau poulpe. J'ai enlevé toute la peau, ça prend un peu de temps, faut être minutieux. Ensuite là on va bien le laver, les deux parties. Je vais faire le deuxième poulpe parce que j'ai un deuxième poulpe pareil qui est d'une belle taille. Donc là dans les tentacules il y a vraiment beaucoup à manger. Et après on ira le faire cuire, vous allez voir c'est une cuisson un peu particulière. Et maintenant bien le laver, puis après on va le mettre au congélateur pendant une nuit pour qu'il s'attendrisse. Et après ce sera rendez-vous demain matin. Donc là même étape avec le second poulpe. On coupe la tête, on le vide et puis après on l'épiole. C'est très important de bien les nettoyer, enlever tous les petits sables, toutes les petites impuretés, là, tous les tentacules. Bien tout nettoyer, il y a à manger dans les tentacules, hein. C'est impressionnant. Bon maintenant que le poulpe est bien nettoyé, maintenant on va tout mettre ça au congélateur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre chaque corps de tentacule bien dispatché dans deux sacs différents et puis les deux têtes on les mettra dans ce sac là. Donc là, le premier tentacule. Hop, dans ce sac, là. Et ça après, au moins une nuit au congélateur, 24 heures, 48 heures. 48 heures, c'est plutôt conseillé, ouais. Nous on a 24 heures. Ouais, c'est ça, nous on n'a pas assez le temps, donc déjà là on est dans l'après-midi, donc ça va être au congélateur jusqu'à demain matin. Ça va être suffisant je pense, mais 48 heures c'est mieux. Oui, sinon on peut toujours les battre avec un rouleau à pâtisserie. Et on se retrouve le lendemain, j'ai avec moi les poulpes qui ont passé donc la nuit au congélateur. C'est le strict minimum, une nuit au congélateur, l'idéal c'est au moins 48 heures. Si vous n'avez pas le temps de les mettre au congélateur, vous pouvez les battre avec un marteau dans un linge, avec un rouleau à pâtisserie. Pour vraiment les raffermir, parce que si vous faites pas ça, ça risque d'être un peu coriace. Là devant moi, vous voyez, j'ai une casserole d'eau bouillante. Dedans, j'ai mis beaucoup de sel, du poivre et du thym. Mais vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre du laurier, enfin assaisonner à votre goût. Et donc là, on va tremper donc nos poulpes dedans pendant au moins 45 minutes. On va les laisser, alors pas à ébullition force, une légère ébullition, vraiment tout doux. Donc pendant 45 minutes. Et puis après, ce sera bon. Donc c'est parti. Voilà. C'est vraiment dans les tentacules qu'il y a le plus de chair. Je vais baisser le feu, puis une légère ébullition. On va le couvrir. Et rendez-vous dans 45 minutes. Bon, bah après 45 minutes de cuisson, les poulpes sont prêts. Regardez, ils sont bien rouges, bien cuits là. Sans forcer, ça traverse. Donc on voit que c'est bien. Normalement, c'est bien cuit, bien tendre. Donc là, on va les égoutter. Et après, ce sera direction au barbecue pour bien griller tout ça. Normalement, c'est vrai qu'ils n'aident pas trop mal quand même. Hein. Là. Ah, c'est beau ça. Franchement, ça c'est beau. Hein. Ça c'est. Ça sent ça, bon. C'est hein. Appétissant. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper chaque tentacule pour ensuite les mettre au barbecue. Là, on va découper chaque tentacule pour bien les braiser. Voilà. On voit, ça se découpe tout seul. Hein. Okay, hein. Beau tentacule. Ça se coupe vraiment tout seul. On ne force pas. Hein. Ouais, là, par contre. Ça, c'est bon signe. La vraie difficulté du poulpe, hein, c'est de le rendre tendre. Donc, le congeler ou le frapper. Et souvent, quand c'est pas bon, bah, c'est que le poulpe, il n'est pas assez tendre et c'est un peu caoutchouteux. Là, j'ai pris grand soin de bien m'en occuper. Bah, tu as décongelé ça. Après, une fois que c'était décongelé, tu les as tapés un peu. Je les ai tapés un peu. C'est pas obligatoire. Je voulais vraiment assurer. Mais c'est quand même la première fois que j'en cuisine. Donc, je me suis un peu renseigné avant. Je pense que je me suis pas trop trompé sur la préparation. On va goûter ça. Hein. Donc, voilà, tous les tentacules. Et ça, maintenant, on va faire ça briser et ça va être pas trop mal. Hein. Là, on a un bon barbecue qui est bien chaud. Donc là, on va juste bien les griller pendant une dizaine de minutes. On va bien les retourner. Voilà. Et là, ça va être très 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 bon. Alors le top, ce serait de limite, on peut presque les faire mariner pendant quelques heures dans l'huile d'olive un peu pimentée, ce que vous voulez. Là, on n'a pas le fait parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, ça va être très très bon. Préparer ça un petit peu à l'italienne, là. Ça sent super bon. Pas bien grillé, faut juste pas que ça colle quoi. Là ça commence à être très appétissant là. Ça colore bien. On va sortir les petits d'abord. Là. Voilà, bon maintenant à table. Hein. Bon maintenant on est à table là. Qu'est-ce que ça dit là? Bon bah c'est parti, je vais prendre la première tentacule. On va voir.
On va voir si c'est bon. Alors toi, t'en avais déjà mangé et t'en avais gardé un mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir. Hein. Avec Lucas, on avait pêché des plumes. On s'est fait les dents. Ouais, c'était... On avait du mal les préparer, mais très mauvais souvenir, donc là... J'espère que ce sera meilleur. On va voir. Déjà, c'est beaucoup plus tendre. C'est simple à couper, quoi. Ça n'a rien à voir, Lucas. C'est super bon. Ouais, regarde, regarde, goûte, goûte. Regarde. Plus tendre. Ah bah oui, quand Lucas dit ça, c'est vraiment meilleur. Ah ouais, non, c'est bien joué, Marius. Ouais, niveau assaisonnement, ça va. On pourrait rajouter un truc, quand même. Ouais, on pourrait rajouter du piment d'Espelette, ouais. Ou même du beurre directement dessus. Et toi, Erwan, tu te mouilles un peu, tu manges? Bah c'est parti, on va choper une petite tentacule par là, là. Hop, toi, viens par là. On va voir si c'est bon. Sur 10, tu mettrais combien? Manque d'assaisonnement. Mais t'aimes pas trop le poisson, toi, c'est vrai? Déjà, je suis pas un grand fan de poisson, mais ouais. Franchement, ça passe très bien. C'est pas trop caoutchouteux comme ouais. On peut avoir l'habitude. Et c'est vrai que ça manque de quelque chose, je sais pas quoi, mais ça manque d'un truc. C'est passé, en fait, ça manque d'assaisonnement. Ouais, ouais, c'est ça. Là, en fait, elle est c'est très très bien préparé. Il y a du goût, c'est tendre. Faudrait une petite sauce avec. Quoi. Voilà, il faudrait une petite sauce avec. Mais souvent, au resto, ils te mettent ça un peu avec du poivron, piment, tu sais, des petits trucs là. Mmh. Ouais, ouais, une petite sauce. Ouais. Moi, je pense que c'est validé. Hein. Eh ben, moi, je vais goûter quand même. Ouais, pêcher, manger le poulpe, validé. Bah, oui. Bon, bah, écoutez, on va voir s'ils ont raison. Hein. Je suis un peu curieux. Oh, elle a un beau tentacule. Hein. C'est vrai que c'est très tendre, hein. Ça se coupe tout seul. C'est très très bon. C'est vrai que ça manque un peu c'est nature quoi en gros. Là faudrait un bon filet d'huile d'olive, quelque chose pour relever un peu tout ça. Sinon la chair est d'une très bonne texture. Je valide, je suis content parce que moi j'appréhendais un petit peu que ce soit pas du tout tendre. Pour ça j'ai un peu assuré le coup pour que ça soit bien tendre. Et c'est réussi donc je suis content. Et ben en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une vidéo assez complète, on allait pêcher les poulpes dans la mer et maintenant on se déguste. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à suivre les gars sur leur propre chaîne YouTube également. Vous avez kiffé vous ou pas les gars? Ouais c'était génial. Ah, c'était super cool quand même, c'est la première fois. Quoi, on s'est bien amusé et puis bah comme la vidéo écrevisse qu'on a tournée, ouais. Un peu le même concept, c'est clair. J'ai trouvé ça génial et cette fois-ci je t'ai amené on va dire sur mon terrain. Bah oui complètement, c'était nouveau pour moi donc une belle découverte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et on se voit la prochaine fois. Salut. Salut. Salut.